Donc j'ai toujours voulu m'occuper des autres. Enfant, je m'occupais toujours des autres et tout ça. Et donc après, au collège, dans l'éducation que j'ai eue, j'étais élevé chez des jésuites. Donc je voulais être prêtre pour être missionnaire, pour faire ça. Et puis après, à l'adolescence, j'ai rencontré des copains dont le père avait été médecin militaire en Afrique et tout ça. Et je me suis dit, ah, d'être médecin, en plus d'être prêtre, on peut aider les autres mieux comme ça. Et puis après, suite à la maladie de mon père, donc j'ai rencontré l'ostéopathie et je me suis dit que c'était un outil qui était encore mieux adapté et qui alliait, à mon avis, le côté voilà, humain, spirituel qu'il y a au côté physique et psychologique. Donc je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Ce qui me passionne le plus dans ma profession, ce sont déjà la relation avec les autres, de travailler avec les autres, et c'est faire de la recherche plutôt aussi en sciences humaines, et puis maintenant d'enseigner, de transmettre. Donc je vois moins de patients maintenant et je passe plus de temps à transmettre. Et voilà, je passe aussi pas mal de temps dans tout ce qui est humanitaire aussi, et je crois que c'est important. Une bonne formation, ça doit commencer à apprendre des éléments de savoir, c'est-à-dire de science, de toutes les sciences fondamentales, de base, tous les éléments techniques qui sont importants. On a une approche, un corps qui est biomécanique, donc l'approche biomécanique me semble vraiment essentielle. Il faut faire attention à ne pas perdre ce côté biomécanique, hein. Il y en a des jeunes confrères, je vois, qui sont pas trop dans ce côté biomécanique. Donc on est un corps physique, donc ce côté biomécanique, c'est important. C'est important de connaître des sciences fondamentales, c'est important de faire du travail sur soi, d'avoir une conscience de son propre corps, et c'est important de tout ce qui est clinique, de passer du temps à traiter les gens. C'est par le savoir-faire donc qu'on peut développer aussi ça, et la notion de savoir-être qui est travail sur soi en lien avec les autres. Ça serait de suivre les anciens, de se référer aux anciens ostéopathes. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris en suivant des ostéopathes voilà, qui étaient expérimentés. Comme un artisan menuisier, il va suivre un menuisier plus expérimenté qui va lui montrer les choses. C'est pas dans les livres que se trouve le plus important, mais c'est dans le contact avec les gens. Hier soir, il y avait la soirée des étoiles et je trouvais que c'était quelque chose qui est formidable de proposer ici au collège donc des traitements entre les gens les plus expérimentés et tous les jeunes qui peuvent venir voir. Donc moi, je me souviens des soirées des étoiles à l'Académie américaine d'ostéopathie aux États-Unis où j'étais ébloui de voir travailler Magoun, de travailler William Johnson, de voir travailler Viola Fryman, de voir travailler Anthony Sheila.